Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Li fè sit, met loi, rentre la caille. Jodi a, c'est 10 mars 2022. C'est deuxième émission nan mois. Nan souhaite tout le monde qui fête nan mois de mars là, ou nan semaine ça même, moun ka fête jodi a, demain. Bonne fête. Et encore une fois, tout le monde, bienvenue dans le 55e épisode live Retete Kenbe Dlo. Retete Kenbe Dlo, c'est une émission éducative noire que nous venons en direct avec moi-même, professeur Louis-Christian Patrice Baptiste, chaque jeudi soir à 7h. En collaboration avec Radio Télécajou, vous faites tout le monde connaître ce qui a passé dans le domaine de l'eau et de l'environnement dans le pays d'Haïti et sur la planète là. Et puis tout, vous devez sensibiliser tout le monde sur cause cela. Le sujet du jour, c'est comment réduire les risques d'inondation en Haïti. Et avant d'aborder ce sujet, eh bien, nous allons saluer les gens de tous les pays qui nous écoutent et qui nous suivent sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Eh bien, on va commencer par États-Unis, pas vrai? Les gens qui sont aux États-Unis, qui sont en Floride, New York, Chicago, Houston, Texas, bonsoir, bonne écoute! Canada, bonne écoute. France, la Russie, Turquie, la Chine. Eh bien, bonne écoute. Monde qui est en Afrique, on va oublier nous, on est toujours là. Bonne écoute. Mexique. Eh bien, Brésil tout. Colombie, Équateur, Chili. Bonne écoute. Bienvenue à cette émission. Bienvenidos. Martinique. Guadeloupe. La rentrée dans Caraïbes là. Mais Cuba. On connaît Omar Guyo qui a suivi nous. Qui fait connait que la suivi nous chaque après-midi. Bonne écoute Omar. Buenas tardes Omar et su familia. Mon Guyane, mon Bahamas, welcome. Chocken Caicos, República Dominicana, buenas tardes. Brasil, Botage, mon Chilio, Aïsek nan Chilio, abdi nou bonsoir, mapton nou. On a Haïti, on a entré la caille. On n'a pas oublié la caille. On a entré la caille en dernier. On est. On a cap, on a Gonaïve. On a cap, on a caille. Port-au-Prince, Pétionville, Delma, Carrefour, on a ville. On a cité tout le pays. Haïti. Eh bien, on va attendre là. On écoute. Et puis, m'a dit nous, bienvenue dans l'émission ça. Des gens qui ont été oubliés, ils ont été dit, étudiants, anciens étudiants, qui tout partout dans le monde, qui ont été qui ont suivi moi. Que ce soit les gens qui sont dans l'ISTH, les gens qui sont dans UNICA, UNASMO, Roumaine de Comte, tout étudiants, eh bien, bonne écoute. Émission, c'est pour nous lier. Jouer à émission, nous, j'en ouvre. D'accord? Eh bien, l'homme dit nous jouer à émission, nous, ça veut dire partager-li, partager-li, by tout le monde, by tout l'autre étudiant, by tout l'autre monde qui tout partout dans le monde, là, pour que Haïti
que nous attendons, que nous remettons capable de changer. C'est une chaîne de solidarité pour nous faire, pour que nous arrivions à changer le pays d'Haïti. Partagez l'épisode là, s'il vous plaît. Et puis, n'oubliez, abonnez-nous à la chaîne. Non, c'est laisse ça. Nous avons une chaîne de solidarité avec Retete Kimbe de l'eau. Là, dit que t'es qu'un bidlo, faut que tu dois tout. Et bien, encore une fois, je salue tout le monde qui a suivi le 55e épisode live Rete Tek Bidlo à travers le monde. Comme nous tous connaissons, c'est toujours un grand plaisir pour moi de venir chita causer avec nous. Vous avez fait de l'eau avec environnement. Je dis à nous allons continuer à parler de inondation. Si j'ai nous connaît déjà, je dis là, il m'a dit la créole tout. Qui ça nous doit faire pour nous combattre inondation dans le pays d'Haïti? Ça c'est la quatrième partie que nous avons aujourd'hui. Moi, de nous. Partagez toujours l'épisode là. Avant de commencer, d'ailleurs nous partager pour que un pile monde capable de joindre nous là. Et bien comme nous connaissons tout, nous pas jamais débuter l'émission sans pas rappeler nous que Haïti c'est un Caraïbe l'Alchita. Les Chita, bon paquet pays qui c'est Tizi Léo, que nous toujours parler de yo, qui c'est seul, qui c'est cousine nous. Donc, il faut que j'en cousine nous avec ce nous a brassé richesse là, dans Caraïbes là. Et côté un pile touriste a circulé à travers Tizi Léo, yo, Haïti, t'a doué. Participer dans la richesse. C'est ça que fait. Nous toujours présenter bassin Caraïbes là. Devant nous. En vente des marées. Nous te voyons dans le dernier épisode là. Que dégradation bassin versant yo. C'est une plus grande cause inondation dans le pays d'Haïti. Aujourd'hui, nous parlons exactement qui ça pour nous faire pour nous combattre l'inondation ça dans le pays d'Haïti. Entre-temps, on connaît le week-end passé à ça qui est arrivé. Il y a une grosse inondation dans l'Imbé. Gros la pluie est tombée dans le week-end dernier, vendredi 4 privé, jeudi 5 mars 2022. Donc, sous quel département dans le pays d'Haïti, dans le noir, bien entendu. Mais il y a fait gros inondation dans l'Imbé. En pile quartier, il y a en bas de l'eau. Même route nationale numéro 1, à cause de capacité rivière, à canal qui était atteint, eh bien, l'eau est débordée. Nous allons parler de ça pour nous. Nous avons une émission spéciale pour nous carouer. Petit village ça, côté qui inondé à comment lié et qui ça représente pour le pays d'Haïti. Je vais vous dire, comme on dit nous allons garder ça nous fait. Et bien pour nous ralentir tout bon vrai, machine, dégradation, comme on te dit dernièrement, nous devons agir sous trois moteurs ça y est. Premier moteur, c'est pauvreté. Dans un pays sous-développé, par exemple, et pour pauvre, ou pas qu'à j'en travail, ou pas qu'à manger, faut qu'on bat de l'eau pour faire bien, pas vrai. Faut lever ou à le brasser dans la ria, ouais, qui sort qu'à j'en.
Mais deux mondes même. Et puis, il y a marché dans la rue, il y a le croisé en pied bois. C'est coupé, puis il coupé, puis il fait charbon. Et bien, oui. Il n'y a rien, mais ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Mais bon, mon petit blague, tout va. Mon petit blague, mon son, on est pas. Monsieur Réleous, mon. Mais c'est mon plaisance. Plaisance, c'est l'ouest là. Lui-même a quelques partenaires. Eh bien, si au moins sur terre, vous louez, vous font contrat, puis vous faites charbon. Plan yo qui s'allie, c'est bail terre à blanche. Et puis c'est bois sous terre, il faut couper tout, puis vous faites charbon. Est-ce qu'on connaît le gouvernement au courant de ça? Bah quoi? De quoi? Si monsieur Sayo, ça t'a voulu faire. Il pas fait ça pas ça. Il faut qu'il vive. Et nek sa yo, comme dit, il aurait aimé de bel tennis. Vous connaissez. Et faut ben madame de manger tout. Eh bien, c'est ça il faut faire pour vivre. Donc faut gagner pour y a l'autre alternative. Eh bien m'a dit nous c'est bagaille ça oui qui baille des bois bon. C'est ça qui fait tout. En pile monde a quitté milieu rural yo, ti village yo, pour envahir gros ville yo. Et vous connaissez les bagages ça vous fait qui s'arrive. Eh bien, yon paquet construction anarchique a fait dans mon yo, dans ravine yo. Nous mon yo obligé à aller dans ravine. Et mais faut nous bailler le son tout. Ou mieux pas aller dans la ravine encore. Ce n'est pas nous-mêmes qui autorité pour aller dans la ravine. Deuxième bagage que ça a fait tout, c'est sous exploitation terre. Mais vous saccagez terre, puis vous faites le parler. Puis vous faites le faire, ça ne pas de faire. Et troisième bagage, c'est pratique agricole qui n'est pas adaptée. Qui a fait de culture qui est osive. Ok? Il a défriché terre, brûlé terre. Tout ça, censé, n'est pas bon. Et ça a mené érosion à dégradation, on a parlé. Donc, nous avons dit, nous, premier moteur, c'est pauvreté. Nous parlons pas de lui. Et deuxième moteur, nous avons dit, c'est érosion sol là. Érosion sol là que nous connaissons, qui connectait à déboisement, qui n'a pas parlé à tout. Déforestation, nous connaissons que toute mauvaise technique culture ça yo, à détérioration qu'a fait dans le milieu marin yo, tout ça qui va permettre que cela érode. Par exemple, on l'a pu tomber, pas gagner aucune végétation, aucun pied bois sous terre, et bien il a commencé, comme nous disons dans le dernier épisode là, il a commencé par faire rigole, faire ravine, de transporter tout sédiment yo, aller dans la mer, et puis ça qui a passé. Hein? Nous pouvons aller dans la dégradation milieu à milieu marin en tout. Et puis tout pas oublier, les mains qu'on est avec déstabilisation sur la tout dans les affaires construction. Les affaires, nous avons une équipe qui est là tout. Qui ça a fait? C'est wash y a le lâché dans le monde là pour y vendre. Mais ça, il va faire notre travail. Et bien, c'est comme ça, ça y est. Mais nous devons porter solution à bagaille ça. Troisième moteur, eh bien, nous pouvons parler de lui du tout lui-même. Et c'est lui pour chita sur lui, c'est faiblesse gouvernance là. Et faiblesse gouvernance ça, il y a des répercussions sur toute facette économie à société. Ça nous va faire là, je vous dis. Nous allons prendre le premier point, qui c'est moteur pauvreté. Pour nous ralentir moteur ça, nous connaissons, nous dit ça, nous refait, pas vrai. Et bien, nous allons prendre ça, youn pa youn, je veux dire. Pour nous être moteur pauvreté, le premier bagage qui vous fait, c'est réduire chômage à délinquance. Et chômage à délinquance, ça, nous connaissons que, les mariés à
toute qualité insécurité que nous connaît. Donc, ça pour nous faire, c'est créer travail. Yon. Deuxièmement, c'est mettre plus lycée, qui veut dire l'école gratis, sorti dans primaire, et dans secondaire, et même professionnel là tout, dans tout pays pour tout le monde capable à l'école. Et troisième bagage qui vous faites là, dans réduction chômage là, c'est mettre des centres d'accueil pour gérer tout le monde qui dans la rue. Mais tout ça, comme moi dis nous, ça mande yon bon gouvernance. C'est dans pauvreté à nous toujours. Premier bagage moi dis pour nous croire pauvreté ça, c'est censé réduire chômage à délinquance. Deuxième bagage qui vous fait, c'est bay population yon accompagnement social. Et même j'aime se développer l'autre tout à l'heure, quand l'accompagnement social ça, ça la permet yo, la permet que yo gen accès avec soin, avec santé. La permet yo tout gagner bon kay priorité, bon jan logement. La permet yo tout gen accès avec culture, à loisir, à travail. OK. Troisième bagaille qui nan pauvreté a toujours que me toujours ap di nan presque toute émission mio. Et mais c'est réduit sous pouvoir fait petite là. Que me toujours dit qui marie avec blackout là. Eh bien, nous connaît depuis population a augmenté. Nous devons produire plus manger. Nous devons faire éducation timounio. Et puis tout, nous devons créer travail pour jeunes qui viennent. Sinon, c'est plus pauvre la vie plus pauvre. Il y a un petit proverbe que la caille me dit en pile. Ça fait petit, c'est bien pour malheureux. Ya. Mais ça, il faut que nous retirer dans le vocabulaire. Parce que, d'après ça, nous est, d'après ça, nous remarquer et que nous sentons tout. En plus petit, c'est pauvre, les faire vivre pauvre. Eh bien, pour qu'il y ait moins de monde qui fait sans contrôle dans le pays, le gouvernement il doit mettre bon gens loisir pour la population. Et loisir, ça y est, nous connaissons depuis que nous avons créé le travail. Le travail là, qui peut diminuer tout. Unique loisir, ok, loisir qui permanent, que tout le monde depuis pas fait rien. C'est sexe là, ouais. Donc, si vous mettez bibliothèque, vous mettez cinéma, vous mettez concert, vous mettez musique, vous mettez cité, y a élatrier. Ça, va le réduire sous loisir, ça. Ça va le réduire sous affaire, fait petit là tout. Mais le deuxième bagaille qui a les non sens pour réduire, cause fait petit, en pile petit là. Faut avoir un bon genre planification familiale. A vle di, tout santé qui gagne tout partout, ta doué a fait cadeau capote. C'est pas capote cap bay bola mais non. Capote cap chire yo, ça me le dit. Parce que, moi gagne, ça fait deux ans de ça. Gagne au moun mwen, qui te dit que, yon gren capote, coûte 75 goud. Comme qu'on y a tout bagay monté. Li ka 25 goud. Mais côté yon moun kap touche 500 goud comme ça le minimum. OK? Par jour pour acheter yon gen kapot pour 100 goud. Faut manger, faut faire économie, faut payer kay. Faut payer l'école pour petit li. Ça veut dire, moun sa pa gen capote du tout. Pa gen a fait capote la même. Mais c'est net alcoolé comme ça. Tout ça, m'sou dit d'aller là, ça pa l'entrée dans affaires sociales là, ka permettre que moun yo, au lieu que
yo utilise comme yo, du moins, au lieu que yo l'achete capote, et puis yo baye capote, yap, censé planifier, a fait causer, fait un pile petit là. Et mais tout ça, ça m'en dit, yo bon gouvernance. C'est ça, fin de parler de gouvernance dans l'heure. Le deuxième point que nous parlons là, eh bien, nous te voyons déjà dans le dernier épisode là, c'est pour nous lever pieds nous au fur et à mesure sous accélérateur érosion sol. On va être toute alternative qui possible. Et tout ça, comme on dit, ça m'a dit une bonne gouvernance. On chita kounia sous troisième point. C'est le plus intéressant et c'est le pour porter solution au canapé. C'est moteur gouvernance. Je me suppose que si des bons mécaniciens en live là, y a dit moi moteur ça il doit rebuild ou bien il changer le même. Alors, bien qui gouvernance n'a parlé là, ça est important. Eh bien, n'a parlé d'une gouvernance qui gagne vision. Une gouvernance qui est capable de faire bon développement dans le pays. Il ne va pas parler de développement, il parle de développement agricole, pour tout le monde capable de jouer un bon manger, pour manger dans tout le pays. Il va parler tout de développement industriel. Il va parler tout de développement urbain et rural, qui veut dire caille, infrastructure, route, l'eau, assainissement, électricité, l'école, loisir, non, ti localité ou bien dans toute tout zone qui a urbanisé pour moun pa obligé à sortir Carrefour puis à l'école Port-au-Prince, moun pa besoin à sortir Delma puis à l'école Carrefour. Tout ça dans localité là, que l'école qui a approprié pour que tout le monde capable joindre formation que besoin, tout ça, tout service que au besoin dans la localité, dans la communauté. Et bien, je parle tout d'une gouvernance qui est forte. Une gouvernance qui a fait respecter la loi. Parce que, j'ai su une nation, ça n'a pas là, lui demander une bonne volonté politique. Lui demander tout, un minimum éducation, un minimum formation dans le domaine. Il m'a dit comme tout, oui. Et ça fait, nous allons parler de finances et tout. Mais ce n'est pas ça seulement. Il m'a dit tout, yon respect norme environnement. Et bien, décision pour prendre yon, pour bagay ça ou bien marché, li concerne gouvernance là, dans plus haut niveau. Mais, pour monter à ka bien marché, c'est dans la base là. Ou moteur à bâti. Et mon cap dit, mais qu'on y a de qui gouverne dans ce palais. Eh bien, là nous dit, c'est dans la base là, ou moteur à bâti, de qui niveau gouverne dans ce palais, j'en m'en demande. Eh bien, là ça, n'a parlé d'une gouvernance qui est acteur principal, lui, c'est la mairie. C'est Kazek. C'est Azek. Il n'y a pas pour Kotio. Il a dû gagner un bon backup de l'air. Ce n'est pas backup sécurité. Je ne parle pas, non. Je parle d'un backup qui est censé une alliance stratégique qui fait pour que Mérion bien fonctionne. Par exemple, une alliance qui fait avec ministère éducation nationale, ministère environnement, ministère agriculture, ministère affaires sociales. Nous capables de dire société civile là doit intégrer bagay ça à tout parce que ça concerne eux. Sans pas oublier ministère travaux publics. Eh bien, l'aime parler de Miria.
qui ça me dit par là? Eh bien, Myria, tout le monde connaît que depuis grand problème dans une localité, c'est côté responsable à vous y aller. Mais le premier responsable là, c'est l'autorité qui est dans l'administration communale là. Eh bien, nous allons faire nous entendre, par exemple, qui ça? Yon paix. Le gardien lui est pour tomber, j'en ai gardé là, et lui obligé à demander ça fait que il parle en Japon. N'après à qui est-ce licencié adresser. Partagez s'il vous plaît. Partagez l'épisode là s'il vous plaît. Mon père, nous sommes tombés sur point. Oh, et vous, petite fille? Avant, moi, je vais me tomber sur point. Oh, qu'est-ce que vous n'avez pas fait travailler? Je prends 300 sur point. Oh, mais possible. Ah, quand service fini, mon père a le code Kazek Zona pour le mandat de sac à passer comme ça. Ah, Moun yo te voté ou, c'est pour te capable de bailler au service. Tout le monde a appelé de tomber sous point. Et c'est pas un paquet de l'argent pour aller dépenser dans ça. Mon cher Kazek là, bail moun yo service. Mon père, oui. Mais mon père, par contre, selon ça. Ou prends son fait faible, Kazek là, pas vrai. Et ou pas ta supposé faire ça, parce que yon nan moun qui puisse tomber sous point ça, c'est madame. Donc, nous, ouais. Bon ça qui crase à côté mon a tombé yo pe a dit c'est pour Kazek là voilà donc pour lui c'est un Kazek là qui responsable mon petit localité sinon à l'en ville même bah ouais c'est meilleur là mais moi le bon rôle à responsabilité yo maire ou bien yo Kazek ça genre il est voir à ce que mais yo monde qui élu meilleur par exemple pour me dire de représenter ensemble population qui dans municipalité. Donc meilleur là, c'est lui même qui censé mettre ville là. Kazek là, il est censé chef localité le côté lié à. Ça fait pas oublier. On te dit ça déjà. Un maire doit accueillir population lui. Non. Dans une belle ville. Exemple, regardez, il faut gagner une ville qui est censée structurer comme ça pour que le maire là, les communs, les bails, tout service qui est possible, les voit que son bon bel paysage, tout bagage qui est censé population a besoin dans le village là. Et comme ça dit à l'heure, sous plan finance, mais important, eh bien, mais là, l'autorité, ça n'a pas l'air, lui doit veiller pour que revenu municipalité, eh bien, il percevoir et puis il dépense suivant la loi. Il doit surveiller et puis enquêter, contrôler fonctionnement service municipalité à transparence pour communauté. Donc on est que s'il a préparé le budget lui, donc ça fait urbanisme là, ça fait police municipale là, faut que l'intégrer li pour que lui assurer que ville joigne tout ça que l'état doit gagner et que des police municipale là qui vous censé tout exemple qui possible pour pas gagner et insécurité dans ville. Dans le fonctionnement, eh bien, il doit connaître que pour gagner une bonne orientation pour divers aspects, qualité de vie dans la communauté, que ce soit développement économique zone, que ce soit sous urbanisation, approvisionnement de l'eau potable, assainissement, d'eau usée, développement communautaire même, et loisir à culture pour tout le monde qui est dans la localité. Donc, ça veut dire que le doit chercher à assurer tout service que la population a besoin de façon correcte. Ça veut dire, depuis que tu as gagné une inondation, l'inondation n'a pas parlé là, eh bien, tête mère, ou bien tête Kazek là, il doit chaud. Parce que tout dégât ça y est,
a tombé sous responsabilité. Il doit faire en sorte que ça pas doit arriver. Et ça fait, n'a dit tout, administration là, il doit bien équipé. Et c'est dans ce sens ça, une administration communale, il doit gagner des cadres solides la donne si mais elle a pas bien formé, il pas sensible et encadré lui-même. Eh bien, il pas jambe bail service que besoin. Et ça fait, on parle de cadre là, il doit gagner ingénieur civil la donne, il doit gagner ingénieur sanitaire, il doit gagner environnementaliste, des urbanistes, etc. qui pour aider mais là prendre de bonnes décisions pour communiquer, pour réaliser des activités durables dans la communauté. Eh bien, m'a dit nous, alliance stratégique, ça m'a parlé là. Depuis qu'elle fait, elle est la plus facile pour que l'administration communale là, à la personne du meilleur là, ou bien Kazek là, ou bien Azek là, il y a en mesure la plus facile pour y appliquer toutes mesures qui sont nécessaires dans le bassin versant. Non sont urbains, non sont périurbains à rural. Mais pour qui ça? Pour éviter les gens à l'hériter dans la ravine. Il a fait en sorte pour aménager l'exutoire. Pour que, n'a pas eu d'exutoire, ça veut dire que tu y a une conduite égouille, puis il pas bouché. Pour que yo dégage yo pour de l'eau capable couler pour pas déborder dans la rue pour pas inondation puis yo contrôler tout plan de l'eau rivière yo par exemple quand pour rivière ça qui déborder là non les bien n'a pas là puis le contrôle qui vous fait nous parler ça pita toujours et mais yo doit protéger littoral là tout mais qui ça ça a mandé. Eh bien, ça m'a dit une sensibilisation, une éducation qui peut impliquer Kazek, on a parlé là, Azek là, comité quartier, mairie. Et nous parlons bien de jeunes tout qui sont impliqués là-dedans. Par exemple, des jeunes qui sont capables de volontaires, qui sont capables tout des jeunes qui ont fait service social, qui sont dans l'agronomie, qui soit dans sciences humaines, qui soit dans génie et la trier. Et puis, nous parlons des spécialistes qui là comme des agronomes, des environnementalistes, des ingénieurs, des urbanistes. Et bien qui là eux-mêmes qu'a créé une grosse mobilisation à formation sous point ça on va parler là qui va permettre vraiment résoudre problème inondation. N'a pas les premièrement on va parler de ça ou les pépinières. Eh bien, là, il faut que qu'on y a gagné de pépinières qui a préparé pour produire plantules. Hein? Un peu lent, pour produire plantules, tout ça. Bon, on va garder tout. Suivre, pas vrai, de toutes pépinières, on va continuer pour nous garder toujours. Puis pour commencer qu'on y a une réhabilitation bassin versant yo côté pour l'appliquer toutes mesures que ce soit biologique, mesures mécaniques et même mécano végétatif pour arriver à restaurer bassin versant yo. OK, donc n'a gardé dans schéma ça qui devant nous avec tout activité qui capable mener non bassin versant pour capable arriver normalement à réhabiliter. Il a continué toujours pour nous garder parce que travail qui pas fait là comment dire concerné et comité quartier tout et bien donc arriver dans ça relé aménagement quartier parce que quartier capable arriver réaménager côté capable arriver faire des éco quartiers. OK, regardez
C'est ça qui est important. On a des exemples qui sont censés, après mon petit quartier, comment que ils sont censés là aménager. Côté que nous gagnons et regardez, nous voyons un paysage qui attire dans le quartier. C'est ça nous demandons tout pour que chaque quartier nous soit censé bien aéré, qu'on permette que nous capable vivre dans le quartier. Tout un quartier comme ça, nous avons utilisé l'énergie renouvelable. Par exemple, il faut que le quartier ait courant, il faut que la lumière, pour éviter ça, nous avons parlé tout à l'heure là, de quoi il y a un blackout, ça peut arriver. Eh bien, depuis gagner et panneaux solaires, ce n'est pas panneau solaire que nous avons utilisé pour le personnel, c'est un panneau solaire que une formation qui n'a pas parlé là, pour tout le monde capable de comprendre que bien ça, c'est bien communauté à crédit. Pour que normalement, leur place un panneau solaire, que l'irrité les servit à la communauté. Il a continué toujours, pour une activité qui a mené dans le bas versant, pour qu'il arrive à réduire sa nourriture et inondation. Eh bien, il a rencontré Kounia dans sa ville des lacs collinaires. Ok? Des lacs collinaires, des bassins de rétention d'eau. Okay, des réservoirs même pour capable de stocker de l'eau. Regardez tout ça, il faut que moi passe l'image pour nous voir, pour nous capable de réaliser tout, ça nous relève des bassins de rétention d'eau, des bassins de filtration pour mettre que de l'eau infiltre tout dans ce là, pour que n'a augmenté les réservoirs souterrains et tout. Okay, tout ça, ce sont des activités pour commencer par mener. Il a continué toujours pour nous garder. Ça, c'est des réservoirs qui ont construit. Ok? Pour que gagner de l'eau, normalement, dans le milieu rural, que ce soit dans tout le point qui recule, et pas oublier. Pour que ça, image, ça m'a gardé devant nous là, qu'on y a là. Par exemple, nous avons gardé, même si il y a une route qui est à côté qui a passé, qui doit gagner un égout qui existait. Un collecteur qui l'a, mais le collecteur a rempli, au lieu que la ligne de chaussée, nous avons gagné un bassin de retenue qui est à côté, qui se voit de l'eau. Et de l'eau, ça va servir tout. Pas oublié. Quand on gagne du feu, pas vrai. Et pompier arrivé, il n'y a pas même qu'à joindre de l'eau. Le bassin, ça est capable de gagner de l'eau pour que il gagne un incendie du feu. Donc, le pompier a gagné de l'eau sous place tout. Ok, tout ça c'est des éléments que moi porter comme solution. Ok, des gens qui disent ma baille poule, ma baille poule, non, c'est normal, faut que moi censé mettre tout ça que me gagne, tout ça me connaît à la portée de nous toutes qui là, que gouvernement tout, pour que normalement yo prend ça en main pour nous arriver vraiment diminuer ou réduire ça les inondations dans le pays. Il n'a continué toujours, parce que ce n'est pas ça seulement qui est pour faire. Il y a un pile bagaille qui est pour faire. Il a passé toujours, il a regardé, ce sont des bassins de retenue que nous avons là toujours. Okay? Parce qu'il y a plusieurs aspects, plusieurs facettes pour nous garder, quel que soit côté à capable de gagner. Il n'y a pas besoin d'hésiter pour nous dire qu'il faut un grand espace spécialement pour ça. Il a créé, il a souterrain tout. Ok? Il a continué toujours pour nous garder. Qu'on y a là, il y a un reboisement. Un reboisement, ça, c'est un reboisement qui doit contrôler, qui doit diriger tout, suivant milieu, suivant zone, suivant ça a besoin tout, comme bois. Eh bien, il y a un fruitier. Eh bien, tout le monde a un petit fruit la caillou, dans la zone pour manger. Des plantes médicinales, non, pile plantes. Et nous te wè nous a fait corona là, tout n'a pas été plante pa yo. Et bien normalement, depuis que nous plantons plante médicinale, nous avons besoin de plantes comme brumède, les gens qui sont malades. Tout ça, ce sont des. C'est très simple que nous devons penser à yo. Et puis, on parle du bois du feu, non, nous avons fait charbon. Il doit toujours y avoir bois pour faire charbon. Il y a un bois tout, nous avons. Couper pied bois et n'a renouvelé yo pour que charbon capable tout nous faire, nous pas dit pas faire charbon. Nous petit pays pauvre ça n'a toujours besoin de charbon. Mais
font produit bois pour charbon. Des bois pour construction, caille. Ça nous capable produit tout, pas besoin d'acheter bois l'autre bord. Mais toujours, on a regardé en province, en pile monde fait construction caille avec bois, il coupe les bois, il connaît comment il fait construction. Bon, bien que il capable bon petit gens archaïque, mais nous capable produire nous comme on t'a parlé tout à l'heure des industries, nous capable des industries pour que préparer bois. Tout ça nous gagne possibilité pour nous créer travail pour peuple là. Gagne bois pour faire meubles. Même bois ça et tout, il est capable préparer en pile bagaille qui capable faire. Donc on t'a parlé là plantation que de reboisement qui contrôlait. On a regardé là, vous montrez nous tout ça qu'a fait. On voit que au fur et à mesure il a planté, mais il a coupé, il a planté. C'est un bagage qui contrôlait. Tout ça, bon, ce sont des activités pour que nous capables mener. Ça n'a pas de éducation, de formation, ça, pour que Mério prend ça en main. Eh bien, après reboisement, n'a pas entré dans le canal, dans le réseau pluvial là même. Eh bien, il y a des dégraveurs, il y a des et tout canal pour arriver à nettoyer, faut curage. C'est important pour le canal, pour le réseau, très, très propre, il n'y a pas censé boucher pour permettre la circulation de l'eau faite normalement. Là, on a regardé là, on a fait un curage. Okay, on a continué pour regarder toujours. Par exemple, on a regardé le canal ça devant nous là, au fur et à mesure, tout déchet là de là, si au fur et à mesure, il a rempli toujours. Ça veut dire que nous pouvons réduire la section canal là. Le, par exemple, une guinée trop de l'eau, la déborder. Donc, il faut qu'au fur et à mesure, ça ne peut pas être à l'heure de travaux publics, mais les mêmes tout, les capables aider dans ce sens-là, mais le conseil avec la mairie. C'est la mairie qui a suivi tout le ça pour que normalement, curage yo fait dans la canalisation. On continue toujours pour nous. Par exemple, moi là, canal ça a été propre, gain nettoyage qu'a fait. Ça c'est important. Tout petit bagage ça, donc c'est au niveau local que il fait. Ça veut dire que tout le monde qui dans quartier yo, il a besoin de job. Parce que tout le monde dans un quartier propre, tout le monde pas dans rien mais yo inondé. Donc c'est formation pour nous bail, c'est éducation, c'est arriver à montrer ça pour faire pour que tout bagay capable bien marcher. N'a pas gardé devant nous là, il y a des gens qui ne peuvent pas conserver le dragage, pas vrai? Eh bien, comme tu as parlé tout à l'heure du sédiment, les que nous gagnons érosion qu'a fait là, nous démontrons nous comment tigre gol nous formé, comment ravine nous formé, et au fur et à mesure, il y a déplacé terre, ramassé terre, déplacé terre, mais est juste dans l'exutoire, il est dans zone bolan, mais il fait les pleins, il n'est pas calé encore. Il dit que il y a un dragage qui peut faire pour enlever ces dimanches ça yo bien c'est ça qu'a fait là il va ouais il enlever ces dimanches mais ces dimanches qui a enlevé OK on y a là au fur et à mesure que il a fait dragage à retirer ces dimanches il a libéré espace là pour que l'eau capable circuler tout bagage ça yo doit fait de façon convenable quand le bagage qui est important encore que n'a gardé. À chaque fois que nous voyons que gain la pluie, c'est là ça tout le monde mettait à plaguer fatra. Eh bien, on a dit que route là, n'est pas poubelle. On a dit tout, canalisation de l'eau, c'est pas poubelle yo yé. Faut que kounya là, je m'a parlé de mairie encore, faut que normalement yo gagne et service de collègue des déchets sous l'île là, faut le fonctionner bien pour que les pas gêner circulation de l'eau pour une baille ça relait inondation tout ça marcher ensemble depuis pas gagner service déchets solidaire mais tout pour n'a plagué fatra dans la rue fatra sans c'est pour boucher canalisation réduire section de l'eau pour l'eau passer et bien c'est inondation on va continuer toujours.
Ça, on a regardé devant nous là, les gens qui pas contre bagaille ça, yo, ça veut dire déversoir d'orage. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que l'eau canalisation de l'eau, il va le remplir ou pas ta même remplir pour le déborder. Mais tout bagaille ça yo, c'est connaissance yo. Faut qu'on ait tout pour que ka gon changement qui fait. Même j'en l'on route à rempli, quand ka gagne ou dit, ah, route ça a tellement embouteillé, t'es passé un petit côté balé. Mais c'est même j'en tout. Ou ka fait un chemin pour de l'eau, soit là le nan yon grand bassin, koto collecte li, et puis après ou reserve avec, soit là le directement dans l'autre canal, ou transfère le dans l'autre canal, et puis là le nan milieu récepteur. Donc c'est ça, le yon déversoir d'orage, like, par exemple, des trois gros en pile de l'eau, eh bien, au lieu que le canal la déversé, il y a une partie dans le droit qui allait, qui font l'autre côté pour que éviter embouteillage de l'eau, pour éviter ça, l'inondation. On continue toujours, gagner pour nous mieux toujours, ça nous relève là nous gagnons et qui explique plus ou moins là encore. Par exemple, on a gardé sens de l'eau pour aller, au lieu que continuer comme ça pour aller, mais nous fait perpendiculairement ou gagner on décharge aller on l'autre côté pour que il n'y a pas à inonder puis devant. Tout ça, c'est bagaille pour penser à yo. On continue toujours, pour nous faire plus bien toujours. Mais moi, qui connais mon bassin, par exemple, ça c'est yon. On garde, par exemple, on considère que c'est son bassin qui l'a. Mais il doit sortir dans un point qui est censé sous bord gauche noir. Et puis, il peut aller à droite. Mais il rempli. Il ne faut pas déborder, ou elle déborder net. Ou elle a l'autre tuyau qui prend un petit peu plus haut, contre plein. Et bien, qu'elle déverse, non, nous, on l'autre canal. C'est dans ce sens, ça, on parle de mon déversoir d'orage, l'aller, automatiquement, que la remplie, pour ne pas déborder, la continuer à aller en bas, mais ça, bien sûr, plus là, il va déverser, on l'autre côté, mais ça, il va voir inonder, monde qui pis bas, tout ça, on est capable de voir plus clair encore, dans l'autre image. Par exemple, là, n'a regardé ça c'est image ça qui permet nous ouais vraiment et comment fait et n'a regardé flèche là elle remplit comme ça il déborde le déversion l'autre côté et l'autre côté ça le mène dans l'autre point dans l'autre canal quelconque. Tout ça c'est des bagages que pour nous penser à yo parce que technologie là et technique là tout nous compte bagage ça yo. Donc tout ça est important et ça m'en dit tout kounya là accompagnement. C'est-à-dire que gagne doit gagner supervision. Gagne monde qui censé à placer pour ça. Tout ça c'est travail qu'a créé, travail pour population. Et mais tout ça me sous dit là d'ailleurs là. OK, tout ça me sous dit là. Qui impact ça va gagner si on réalise? Mais ma pas impact yo pour ta vraiment côté de braler. Comme d'a parlé d'éducation de formation, premier point. Qui impact la gagner c'est li pral réduit pourcentage analphabète que nous gagne dans pays a pourcentage analphabétisation. On connaît dans pays d'Haïti il y a 40% monde qui analphabète. Donc nous pral gagner avec ça plus monde qui éduqué et qui formé tout. Et puis les monde qui éduqué qui formé automatiquement pral gagner yon censé yon engrenage qui a mené travail. Il est ça, nous allons créer des dizaines de milliers d'emplois durables dans le pays. Emploi durable, oui, parce que automatiquement, ça a continué. C'est pas un bail que nous allons faire et j'en connais les types de travail, ça ou non. Et bien, normalement, son bail qui a continué, qui a toujours là, en permanence, pour que nous éviter que gagner inondation. Et troisième bagage, nous allons faire. Il pral faciliter culture vivrière là. Là, pral commencer tout la planter, pas vrai. Et quatrième bagaille, il pral améliorer milieu là. OK, par exemple dans un niveau vie moun yo dans quartier yo. Parce que si y a travail, yo jwenn activité que y a faire, il pral censé tout améliorer milieu rural yo tout. OK. Et les ça, cinquième point. Il va retourner à ça nous relé jardin potager qui dans famille on tente pour gagner ti jardin la caillou tu connais pas ti papayo ti orangeo et ti pied citron yo ti pied cerisio donc tout bagage ça yo il va tourner que mon qui fait tomate la caillou tout ça ça c'est cinquième
bagaille comme impact. On va le bagaille impact toujours. Et bien qui ça va le faire? Il va diminuer épidémie grand goût. Épidémie grand goût capouiller tout petit pays. Et nous connaît qui ça épidémie grand goût ça va et tout. Mais c'est lui qui crée les affaires insécurité qui blaye dans pays. Donc depuis gain travail, depuis gain activité sociale et tout bagaille ça yo, eh bien épidémie grand goût l'a diminué. Et si diminuer, ça va priver encore. Il dit c'est la personne. N'a réduit, ça n'a cherché puis devant premier point qui c'est pauvreté. Donc nous là nous déjà a réduit pauvreté parce que en pile monde absensé à travail, en pile monde à l'école yo formé, en pile monde censé gè manger puis manger. Donc pauvreté a n'a créé qu'une pile richesse parce que tout n'a travail. Il n'a continué toujours. N'a va réduit insécurité a. Et bon bah qui est important. Qu'on pas oublier nous n'en rete tek en bidlo. Eh bien, nous a fait planter pied bois ça. Nous a fait améliorer bas inversant. Ça ca privé. Eh bien, nous pour arriver augmenter ressources de l'eau nous yo. Eh bien si ressources de l'eau a augmenté, nous connaît équation comment lié. Si de l'eau entre là dans sol là, en sous sol là, ouais. Eh bien, a gain moins cap ca bruxelé. Moins qu'à pourri, donc ça qu'à privé. Dixième point, c'est de nous parler réduire ça relève inondation. Ouais, na, comment on a privé? Au fur et à mesure, parce que nous voulons arriver à réduire l'inondation, à réduire pauvreté, qui baille tout tête chargée ça. Le onzième point, eh bien, nous parlons créer Kounia là, avec tout reboisement qu'a fait, nous allons créer un microclimat dans le pays. Bien. Eh bien, si nous regardons tout ça toujours, nous pouvons faciliter l'écotourisme là dans le pays. Parce que, automatiquement, que a gagné activité dans le milieu rural, petit changement qu'a fait, eh bien, nous pouvons gagner l'écotourisme. Et ça, nous pouvons décourager. Là, c'est ça qui est important. Nous connaissons grand pile de monde qui quitte le pays pour qui ça? Pour grand goût, pour pas travail qui pas gagné. Pour insécurité depuis tout bagay sa yo a marché eh bien tout moun pral sensé envie rete dans pays yo y a jeune travail y a jeune école tout bagay y a envie faire vie yo dans pays yo et en pile moun nou konnen yo reme pays yo et ça fait tout nou pral wè 14e point diaspora a retourner la caille diaspora a vin investi la caille diaspora a vin monter usine yo la caille diaspora a fin fait touriste à devini dans pays a. Et 15e point qui c'est dernier a avec tout ça nous dit là yo n'a fini pas créer à répartir richesse à travers pays a. Parce que touriste a tourné. Pour conclure moi crois que ça, c'est vraiment intéressant. Mais pour me conclure, m'a dit nous avec bon contrôle trois moteurs ça vous parler là yo. N'a pour situation habitant dans pays d'Haïti a changé net aller. Population pour gagner bon comprendre. Il va gagner plus bon comportement. Un comportement que nous capable dit qui écologique côté eh bien population peut utiliser plus alternative à charbon bois des alternatives que actuel à disposition yo à partir de tout ça nous dit à l'heure là eh bien population pral privilégier dans bassin versant yo ak nan milieu rural yo yon agriculture qu'a conservé sol là. Yon paysage naturel qu'a bail de site touristique nou yo plus valeur. Yon agriculture qu'a développé tourisme écologique là. Mais qu'a créé richesse,
dans la zone nan, pour la population. Ça veut dire pour le gagner moins pauvreté dans la zone. Nan. Et en dernier lieu, on a dit que la population pour le mettre en application dans le bassin versant. Toute mesure pour être capable de retirer et pour être capable de gagner de l'eau dans le sol. Là. Ça veut dire nous allons gagner moins de dégradation dans le bassin versant. Et puis tout, ça n'a pas cherché à nous pas gagner moins inondation. Si nous t'aimons vraiment diminuer risque inondation, amendez-nous, like page là, partagez épisode là, abonnez-nous pour nous faire vraiment une chaîne solidarité pour nous sauver le pays d'Haïti. C'est causé ça. Que mettre de loi. C'est beauté pour nous dans 55e épisode live sur géo-environnement pays d'Haïti pour nous combattre l'inondation dans le pays d'Haïti. C'est 4e partie. Nous disons merci en pile pour écouter nous, pour partager l'épisode là. Et m'a dit nous à jeudi prochain, même l'heure, même chaîne. Ciao.